Lorsque l'application de traitement de texte a été lancée, elle va apparaître au sein d'une fenêtre. Cette fenêtre a les attributs classiques d'une fenêtre dans un système d'exploitation, à savoir une barre des titres, qui dans notre cas est complètement fusionnée avec la barre des menus. Nous avons également vers le bas une barre d'état, où on pourra avoir certaines informations concernant l'état du document ou des fichiers qui sont en train d'être manipulés, ainsi que d'autres actions. Nous avons bien entendu la barre des menus, qui s'apparente plus à un ruban, et le contenu de la fenêtre au centre. Lors de la première mise en route du logiciel, il est possible de réaliser certains réglages, notamment en se dirigeant du côté de la barre des menus, où on est capable de changer la langue et l'adapter au système dans lequel on se trouve, ou encore changer l'apparence visuelle en choisissant la manière dont les couleurs de l'application vont être gérées. Pour aller plus loin, il est possible d'aller dans le menu Writer, qui est en bleu, Commande Outils, Commande Options, afin de personnaliser un certain nombre de paramètres qui vont nous accompagner tout au long de l'utilisation de l'application.